Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, comme vous voyez, il y a eu quelques mods d'installer. Hop là, ça s'est fait. Et oui, c'est bien moi. Donc j'en ai profité pour faire une nouvelle armure, avec donc bien sûr quelques mods un petit peu différents. Donc vous voyez par exemple que j'ai le bras... Elle me fait chier, elle parle tout le temps. Vous voyez que j'ai le bras de Kellogg's, de l'armure de Kellogg's. Mais je n'ai qu'une simple armure en cuir. Vous voyez aussi que j'ai des bandoulières, avec donc des armes, des comment que ça s'appelle, des holsters, simplement. J'ai toujours normalement mes poches. Voilà, on peut les voir en plus. Et bien sûr, j'ai des superbes lunettes. Si c'est pas la classe, ça... ah bah la clope a disparu. Parce que j'ai trop près. Nous devons trouver des hommes de voilà. Et des lieux d'éducation. Il doit certainement... Donc ça c'est le début des quelques mises à jour, enfin des quelques mods que j'ai pu installer. Hop. Alors, normalement. S'il n'est pas complètement buggé. Normalement, j'équipe une arme. Il est difficile de déterminer si la surface est plus ou moins sujette aux épidémies. Ah oui, non, c'est vrai, c'est ça que j'ai oublié. Il serait sage de se préparer à toute éventualité. C'est ça que j'ai oublié. C'est qu'il faut que je rengaine, que je me baisse. Blah ! Alors ce mode est vraiment cool. Voilà, fais l'animation. Et d'analyser un maximum de formes de vie indigènes. Dans un but. Attends, tu rengaines. Voilà. Et là, il jette la, comment, la clope. Je peux l'équiper. Et là, normalement, il n'a plus la clope. Voilà. C'est un sens, en fait. Hein. C'est une question de RP, en fait. Enfin, bon. En gros, c'est qu'en fait, le jeu m'équipe de l'arme cigarette. Quand je n'en ai pas d'arme dans les mains. Voilà, c'est ça, en gros, ce qui se passe. J'espère que ça va pas me faire planter autre chose. J'ai installé donc d'autres modes. Donc ça, je vous les montrerai le moment venu. Là, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Là, c'est notre armure. J'espère juste une chose. Hop. Une chose qui m'inquiète. What? Bande d'alcooliques. Toi par contre, je vais regarder si j'ai pas une autre armure à te donner. Je veux juste faire un échange. Tu me prends pour ta banque ou quoi ? Parce que ça la reset un petit peu. Enfin, ça a reseté certains de ces bouts d'armure. Voilà. Et normalement, voilà, tu n'as plus les trucs équipés. Ah bah si, pourtant, c'est marrant ça. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, les lunettes ont un véritable reflet, donc clair, comme les miennes. Une chaise, non, ça me dérange. Donc voilà, on a fait plein de petites choses, plein de petits ajustements. Et avant de continuer donc dans l'aventure principale, j'aimerais qu'on aille se balader un petit peu. Faire un petit peu d'exploration. Merde. Et aussi, j'aimerais récupérer une arme qui, j'espère, est ici. Voilà, celle-ci. Et on va l'équiper. On va l'équiper en bang, d'accord, sulfateuse, chute, ça fait boum. Le tuyau, le lance-glaçon. Et bon, on va l'équiper en 7, c'est pas grave. L'humanité a une telle volonté de vivre. Et on va peut-être aller l'améliorer même, vous savez quoi ? J'ai pas dit grand-chose, je sais pas. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien. Aucune amélioration. À lame, à chaîne, affûtée. Donc j'imagine que c'est à lame qui est la plus puissante. Bah écoutez, pourquoi pas. Personne ne vous tiendra tête avec chaîne, et bien sûr que non, on la prendra en aluminium, merde. Voilà. Ce qui donne maintenant, c'est stylé. Allons-y. Yo. Donc on va pas lui vous voyez qu'elle parle tout le temps, hein, Curie. Donc ça, il va falloir peut-être que j'adoule le problème du fait qu'elle parle tout le temps, je sais pas comment, mais... Donc, qu'est-ce qu'on a comme quête? On a une chier. Les vieux canons, non. Tiens, le dernier voyage de l'USS Constitution, je me rappelle plus ce qu'il fallait faire.
On y va. Soyons fous. Fallait installer un truc, je ne me rappelle plus pourquoi en fait j'avais disparu. Pourquoi je l'avais annulé cette... Pas parce qu'il devait partir au final. Je sais plus. Quand même stylé hein, ce fusil. Alors vous inquiétez pas, tôt ou tard je prendrai des skins d'armes un peu mieux. Parce que bon, voilà quoi. Elles sont belles mais j'ai... Enfin, encore celle-là c'est pas la plus moche hein. Franchement... Peut-être qu'elle brille un petit peu trop pour une arme qui est censée être rouillée. Mais c'est tout. Oh forcément. Il est encastré dans ce bâtiment. C'est l'USS Constitution. Mon dieu. Oui mais cesse de m'appeler comme ça en public s'il te plaît, pas pendant que je tourne. Merci. Garde son cloche et tout va bien. Je m'en souviendrai. Je saurai m'en souvenir. Alors c'était par où déjà? Oui c'était par là. Ensuite par là. Subi un triste déclin depuis les bombes. Non? Ah oui non, il y a encore un étage à monter, c'est ça. Et là on suit. Ici, voilà. On y arrive. Moi je les aime bien ces robots, ils sont cool. Bon à part Curie qui cause tout le temps, regardez elle va encore causer là en ici quelques secondes. C'est vraiment stimulant de vous accompagner. Si tu le dis. Alerte, cycle de maintenance en retard. Je défends le Constitution. En fait, c'est ça, je crois que c'est dès que je m'approche d'elle, en fait, elle me cause. En patrouille. Regardez, là, je m'approche pas. Bonjour. Oh, c'est stylé. Oh, mais c'est super cool, cet endroit. Dire que je suis pas allé le visiter. Oh, ils ont même un lit pour moi, dis donc. Turbopompe. Installer les roulements de turbopompe FLL3. Vous placez soigneusement les roulements dans le réservoir avant de refermer la machine. Vous remettez ensuite la turbopompe maintenant opérationnelle à sa place. Génial. Retournez voir Ironside. Ah, elle a pas suivi Curie. Bah c'est pas plus mal. De faire partie de l'équipage de ce vaisseau piston. Tu m'étonnes. Et moi j'aime beaucoup cet équipage, j'aime beaucoup ce vaisseau. Et j'aime beaucoup tous ces robots. Il est encastré dans ce bâtiment. C'est l'USS Constitution. Ces défenses sont plutôt solides, vous ne trouvez pas? Oui, plutôt, oui, effectivement. Réduisez la puissance sur la proue tribord. Doucement mais sûrement, Mister Navigateur. Les vents sont cléments et le sort nous sourit. Nous le Les vents sont cléments? Remercions notre héros vraiment. Vous avez doublement mérité votre part, monsieur. Très bon travail. Levez l'ancre? Levez l'ancre. Face à l'imminence de notre grand départ, le secret peut être enfin levé. Quand nos deux fusées NX-42 seront mises à feu, nous pourrons enfin larguer les amarres. Adieu, cale sèche. Adieu, immeuble de bureau répugnant. Le Constitution sera propulsé dans les cieux avant de se poser délicatement dans l'océan salvateur qu'il n'aurait jamais. Oh, ils vont se cracher dans la flotte. L'Atlantique va bientôt retrouver son plus fidèle défenseur. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est brillant, n'est-ce pas? Mister Navigateur, lancez les machines. Il faut... ces voyous sans foi ni loi. Quoi? Préparez-vous à lancer une bordée. Défendez le Constitution, l'ennemi. Mince. Mince. Hissez pavillon blanc. Quittez ce navire et ne revenez plus jamais. Que l'on nous tire dessus. Bah, ce n'est qu'une vulgaire égratignure. Où sont-ils? Oh, de là, je peux la voir. Poum. Bien ajusté. What? Ils tirent au lance-roquettes quand même, les bonhommes. Hop là. Hop là. Fauchez-les comme du chien d'or. L'ordre sera bientôt. Hop là. Suivant. Ennemi détecté. Ça c'est un pote ça. Là ça va si. Ça c'est un pote aussi. Oh non, ils vont le buter. On n'y voit rien en plus avec l'orage. Je vous déconseille de continuer les hostilités. Les pilleurs des femmes essaient de passer un abordage. Fauchez-les comme du chien d'or. T'es sérieux, le mec il a réussi à envoyer une. Putain, mais le mec, les Jeux Olympiques, il est balèze, hein. Vos actions pourraient entraîner un décès prématuré. Oui, bah écoute, jusque-là, je tiens le coup.
Hop. Les pilleurs des pins essaient de passer un abordage. Fouchez-les comme du chien d'en. Où est-il ? C'est bête, hein ? Tiens, ta jambe. Les pilleurs d'épaves sont montés à bord. Allez, viens. Préparez-vous à bouter l'ennemi hors du navire. Approchez lancement de la montez à bord. Contre la cible hostile. Où sont-ils ? Oh putain, Canigou qui y va ? Il y en a qui meurent connement. Vos chances de victoire sont quasi nulles. Oula, ça c'est moche par contre. Ah oui, c'est les reflets des eaux, je crois. Attends, comment ça ils ont pris le pont inférieur? Non. C'est quoi ce bordel? Détection d'un intrus non identifié. Début, il y a la rejet égale de la force létale. Oh merde! J'y vois plus rien! Attention, les rencontres violentes peuvent entraîner une variété de blessures. Pourquoi faut toujours qu'il hop, dégage! T'as eu du bol! Alarmé pas. On s'en prend plein la gueule! N'attaque pas, hein! Quoi? Mais j'étais full life. Bon, le labat de baseball à l'intérieur, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eue. Je vous déconseille de continuer les hostilités. Non, je vais y aller. T'as pas chier. Attention. Ceci est maintenant une zone. Ok. Bonjour. Dégage. Bonjour. Dégage. Cette annonce est une propagation. Crevez, oui ou merde. Dégage. Où est-ce que tu viens, toi? Je vais pas utiliser de grenade dans le bâtiment, t'es malade. Parce que c'est un bâtiment, hein, terme nautique. Tu sens ça ? Bonjour. Oula, le demi-tour que tu viens de te taper, toi. C'est dommage. Putain, c'est un légendaire. Ça fait mal ou pas ? Ah! Butez-la! Lâche, tu vas crever! Boum! Ça c'est fait! C'est bon, il est mort. Détection d'un la légendaire est morte aussi. Première erreur. Tiens, bouffe ça! Paf! Entre les deux yeux! Qui est là? Mon bras! C'est pas chier, mon bras. C'est toi tout à l'heure. Te voilà, hey. Cette petite enfoirée. Charisme, capsule. Les mains. Les cadavres sont porteurs de nombreuses bactéries. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de violence ici. Moi non plus. Avec ça, on fait un paquet de cadavres. Hein. Canigou! En tout cas, je suis content de ne pas avoir eu à. Début d'utilisation légale de la. Un tir malchanceux. Il en reste? Tu me fais pas peur! Attention, citoyens, vous pouvez maintenant reprendre vos activités habituelles. Il y a quand même eu des morts, je suis désolé. Hein. Ça m'empêchera pas de les piller, mais enfin, ça fait chier quand même.
Ils méritaient pas ça, les pauvres. Merde, c'est pas. Je voulais pas prendre son arme, lui. Fait chier, il y a eu des morts chez les robots. Bon, il y a eu un mort. Un mort et une tourelle. Après, maintenant, on va savoir si la tourelle était consciente. Telle est la question. Salut, Curie. T'as pas un steampack à me filer, tiens? Bon. Reposons-nous une petite seconde. Vous avez besoin de moi? Relation. Tout va bien entre nous? Notre arrangement me satisfait. Parfait. Je pensais qu'elle allait me donner un steampack. Trois, peu importe. C'est tout pour l'instant. D'accord. Bon, elle est mignonne malgré tout. Aha! Ok. Bon. Remontons voir le chef. Capitaine, oh, oh capitaine, mon capitaine. J'aurais déjà dû la dire depuis longtemps, celle-là. Alors, petit chargement. Le bateau, il est encastré dans ce bâtiment. C'est l'USS, ça m'a l'air tout à fait défendable. Capitaine, ah oui, on l'a fait. Les assaillants ont été repoussés. À tout l'équipage, préparez-vous pour le lancement. Tu vas vraiment le faire. Tu veux vraiment mettre ce plan à exécution? Il faut agir avant que les pilleurs d'épave ne puissent se regrouper et lancer un nouvel assaut. Certes. C'est maintenant ou jamais. Pour entreprendre notre grand voyage, nous avons besoin de la puissance du générateur auxiliaire. J'ai peur de devoir faire appel à vous une fois de plus. Le générateur auxiliaire? Le générateur. Au dernier étage de Royal Arms Apartments. Prenez garde, il y a sûrement quelques pilleurs d'épave qui rôdent encore. Voici votre récompense. Vous l'avez amplement mérité. Que les vents vous soient favorables, monsieur. Wouah! Un canon portatif! Ha! Arme! Boulet de canon! What? Je veux! What? Par contre, c'est triste de voir l'armure à côté. Bottle Cap Mine, d'accord. Broadsider, le voilà. Oh putain. Alors, juste pour faire l'essai. Si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose. Hop. Oh, Kenigou, tu fais pas mal pour rien. Le bateau, il est encastré dans ce bâtiment. Oh putain. C'est l'USS Constitution. Je suis au courant. Le seul souci, c'est que je suis peut-être tombé à un seul endroit. Ah non, c'est bon, je peux encore descendre par là. Rassure-moi, le monde en dessous, il est fait, parce que... Oui, il est fait. Il n'y a pas foule ici. Les gens ne semblent pas s'intéresser à l'histoire. Petit, 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 petit. Pau! C'est génial! Je viens littéralement tirer un boulet de canon sur un bonhomme. Bon, c'est pas grave. On va le garder en réserve. Vous imaginez le tir à 300 bornes? Knuckles, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Oui, j'ai des armes qui sont passées en anglais. C'est l'USS Constitution. Mon Dieu, les pillards. Et je vous montrerai pourquoi. Pour la propriété privée. Parce que j'ai installé un mode qui me permettra, le moment voulu... Ah, c'est de la céramique. De mettre mes armes dans des racks, c'est-à-dire de déposer mes armes sur des étagères, entre guillemets. Pistolet plasma. Et voilà. Génial. Lui, je vais l'améliorer, par exemple. Alors. C'est quoi cette armure? Ah oui, c'est celle que je porte actuellement en version femme. Deux coups auto, fusil d'institut. Ah oui, ils sont noirs aussi maintenant ceux-là. Je trouve ça beaucoup plus stylé par contre.
Alors comme j'avais déjà dit, j'aimerais bien aussi un mode, c'est tout con hein. C'est un mode en fait qui permet de dire que voilà, telle personne en fait c'était un... comment que ça s'appelle, un synthétique. C'est-à-dire qu'on puisse récupérer quelques pièces synthétiques en fait sur une personne aléatoire parce qu'on, et qu'il puisse nous en faire, enfin que ça puisse nous faire déduire et que l'on puisse en déduire simplement, voilà, que c'était un synthétique. Et c'est tout con comme mode hein, à mon avis à faire hein. Pour ça hein. Bon, juste pour voir, j'ai envie de tester en fait le pistolet plasma là. Est-ce qu'il tire des balles d'une couleur particulière? Ah ouais, génial. J'adore. Je prends. Crac 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 crac. Ah bah non, on peut pas monter plus haut. Raté. Alors, on peut pas rentrer par là, on peut pas rentrer par là. Oui, je suis au courant. Arrête de m'appeler comme ça en public, c'est déjà dit. Pourtant, c'était bien par là. Ou alors j'ai raté un escalier, peut-être. Non, même pas. Ah bah si. Ouais. Ah bah le blague, générateur auxiliaire. Oh non! Il est encastré dans ce bâtiment. On a un mort. CSS Constitution. Mon Dieu. Faites ronronner les moteurs. Gardez les moteurs en bas régime. T'es prêt? Oui, soldat. Nous sommes prêts pour l'alimentation auxiliaire. C'est parti. Puissance nominale. Excellent. Début du compteur cours final. 3. Hop. Explosez pas! Mister Navigateur, allumez les moteurs! Adieu, immeuble de bureau! Adieu, calme sèche! Curie a aimé, oui, je m'en doutais. La mer nous attend! What? Ça marche? What? Explosez pas! Non, pas la tour. Qu'est-ce que... Mais quelle bande d'abrutis! Mais quelle bande d'abrutis! Mais t'avais la mer là! Oh putain, c'est vrai qu'il a peut-être pas la hauteur d'eau qu'il fallait pour regardez là, pour mouiller. Dans le gratte-ciel, c'est vraiment un bateau? Ouais, bah on va aller le voir, t'inquiète pas. Le travail du médecin légiste. On va aller voir ce bateau. Oh, il est magnifique, n'empêche. Posé là comme ça, il est magnifique. Par contre, je m'attends à ce qu'on tombe sur des ennemis. Sur ce pont, il y a souvent des ennemis en plus. Il y a un Vertibird qui s'était crashé là, vous vous rappelez? Alors. Ah oui, je précise, chers amis, au passage, que l'armure en question est moins puissante que la précédente. J'ai pas pensé à le préciser tout à l'heure. Et maintenant, c'est dit. Sympa par là. Alors. Ah bah oui, du coup, tu traînes par là, toi, maintenant. Tu me parles pas cependant. J'imagine qu'il faut que j'aille voir Ironsides d'abord.
Oh, puis ils ont leur ascenseur privé et tout. What? Y'a quelqu'un? Vous avez entendu quelque chose? Cet endroit est une telle violence. Oh non. Tout mais pas ça. Quoi? J'entends quelque chose. Hein? Un bruit? Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Là, je suis pas d'accord. Ça fait trop longtemps qu'ils la sont. What? Je sais pas comment j'ai fait pour résister à cette distance. Pourtant, mon armure est moins puissante, je précise. Oh, canigou, le coup qu'il a pris. T'as raison, canigou. Bon, on va prendre l'ascenseur. Curie, pousse-toi de l'ascenseur, s'il te plaît, merci. Bon bah reste là-bas, écoute, moi je t'aime bien, hein, mais tu parles un peu trop pour moi. Hop, le petit chargement qui va bien. Allez, ramenez vos fesses. Il y a du monde? Non? Couteau de table. Pas de traverser dans les passages piétons. Et on est même pas dans la rue, molle du gland. Oh, faites qu'elle soit pas comme ça. Tout le temps, faites qu'il y ait un mode. Donnez-moi un mode pour la calmer. Je l'aimais bien, je l'aime bien personnellement en plus. C'est con à dire, mais je l'aime bien sur le principe parce que elle dit des choses bien et moi je fais que des cochonneries à côté, enfin. Je veux dire, elle est propre sur elle et moi je suis un gros connard, je demande de l'argent à des gamins, tout ça. Donc j'aime bien le contraste. Nous devons trouver à côté de Nick qui est un petit peu trop... Comment dire? Moi. Mélancolie, moi. Je suis triste, moi. C'est courant dans les environnements urbains. Pousse-toi alors. Mais en première ligne. Alors. Ah bah on est dedans. Ah la vache, ils se sont bien posés en plus, hein, l'ascenseur qui arrive pile devant chez eux. Ironside? Ironside! Capitaine. Voilà ce que j'appelle un retour héroïque. Quelle belle et franche victoire. La mission n'est pas tout à fait terminée, certes, mais nous n'avons jamais été aussi proches du but. C'est une réussite? Parce que t'appelles ça une victoire, toi? Et comment, courageux frère de la côte? Si nous parvenons à maintenir notre rythme de croisière, nous atteindrons l'océan tant convoité dans un, peut-être deux lancements. Mes circuits en tremblent d'excitation. Et tu le nouveau lancement? Tu veux vraiment faire redécoller le bateau? Avec le courage et le soutien de mon fier équipage, notre triomphe est assuré. Bon bah dans ce cas-là, ça a marché. On dirait que ça a marché. Si fait, en vertu du courage dont vous avez fait preuve, je vous promeux au grade de lieutenant honoraire. Sympa. Et comme nous n'avons pas assez de place dans la cale pour enfin passons, je vous donne également les quartiers du capitaine. Pour notre nouveau lieutenant. Hip hip hip, hourra. Hip hip hip, hourra. Hip hip hip. Je sens un petit peu seul hein, quand même. Hein. Mais bon, pour la forme. Hourra. Que je suis beau comme ça au moins. Hâte d'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage est une expérience très... Non. Enrichissante. Et non. Voilà ce que j'appelle un retour héroïque. Quelle belle et franche victoire. Tu te répètes un peu mon ami. Pas tout à fait terminé, certes, mais nous n'avons jamais été aussi proches du but. C'était quelque chose. C'était vraiment impressionnant. À n'en point douter. Si nous parvenons à maintenir notre rythme de croisière, nous atteindrons l'océan tant convoité dans un, peut-être deux lancements. Mes circuits en tremblent d'excitation. Répète un petit peu, mais c'est pas grave. Avec plaisir. C'était un plaisir de t'aider. Rien n'aurait été possible sans vous, monsieur. Vous êtes un véritable don du ciel. Oui, c'est ce qu'elles disent toutes. Du courage dont vous... Et comme... Oui, je sais, tu me l'as déjà dit.
D'accord, tu te répètes. Bon! Eh ben, c'était sacrément cool tout ça! Alors maintenant. Reste à voir si on peut descendre d'une autre manière. Ah non, parce que je peux atteindre le pont. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Non! Pourtant, j'ai des trucs. Ah non, je les ai plus! Je crois que j'ai enlevé le truc qui fait que je réduis les dégâts de chute de 50%. Donc je risque pas de descendre comme ça, oui, effectivement. Bon, on va prendre l'ascenseur. Salut les mecs! Bon bah ils sont encore en vie, c'est ce qui compte. Franchement, c'est... Je suis content qu'ils soient encore vivants. Je m'inquiétais un petit peu, à vrai dire. Ça aurait pu être catastrophique. Hein, Curie? Il n'y a pas foule ici. Non, bah, on est dans un ascenseur, Curie. Est-ce que tout se passe bien entre nous? Curie? Bon. Reposons-nous une petite seconde. Puis-je vous aider? Oh, t'es chiant, Curie. Je relation. Voulais savoir ce que tu penses de notre relation. Tant que nous ne mettons pas les pieds dans un abri, je suis plein. D'accord. Bon, bah écoute, tant mieux pour toi. Descendons. Je t'emmènerai pas dans mon abri, parce que même pour moi, c'est pas top. J'ai du mal à traiter cet afflux de données. Bon. T'arrêteras de parler. Oh putain. Je l'aime bien, parce qu'elle fait le contraste, et j'aime beaucoup ce genre de choses, les contrastes entre... Entre deux personnes, par exemple, sont géniaux à voir parce que malgré qu'il y a un contraste assez important, les deux personnes peuvent collaborer, ou littéralement. Et donc moi, c'est ça que j'aime bien. C'est quoi ça? Bon, on va aller les voir parce qu'ils font. Ah oui. Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Ah bah il se transformait en goo. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Oh, t'as pas idée. Hop, lui aussi. Je vous déconseille de continuer les hostilités. Votre pouls et vos signes vitaux se situent toujours dans des normes acceptables. Merci. Je prends ça comme un compliment. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? On a un immeuble qu'on n'a pas visité. Apparemment, on est juste à côté. Hein. C'est... Hey, y a pas eu un... Fini de jouer! Ah! C'est pas mieux d'attaquer les super mutants, bande de nazes. Quoi? Je crois qu'un tireur d'élite a repéré votre position. C'est le temps bougé. Allez. Bah alors, ça chauffe? Esquivez. J'ai pris cher. Dégage, putain! Bien joué. Hop les! Raté, touché. On va peut-être pas rester en haut parce qu'au final on touche personne. On va peut-être pas trop courir non plus. Yo l'ami. Oh, il m'a eu. Tout ça parce que l'autre mec il a... Enfin parce que j'ai loupé tout simplement mais... Mais putain de tir de merde de comment de SVAV hein. Je suis à 2 mètres du machin, j'arrive à le louper quoi. J'entends des bruits. Ah putain, ça me fait reprendre là en plus. Bon, on va y aller plus franco alors. Oh, mais j'ai des balles. Je crois que nous avons de la compagnie. Je préférerais qu'il y ait beaucoup moins de ça. Mais malheureusement, je peux pas
peux pas te le promettre, ma chère amie. Pour le coup, là, c'est impossible. Hop. C'est quoi ce bordel? Merde, c'était quoi ça? Finish the way. Pantomime. Mon bras. Ah, si c'est trop près, je me prends mes propres dégâts. Faut que j'y pense. Bah, poussez-vous. C'est à moi, Minus. Je détecte une présence à proximité. Aïe. Mais couvrez-moi, merde. Putain, ça me fait pas de soutien par ici. What? Putain. Je vous déconseille de continuer les activités. Ouais, pas mal. Raté. Grenade. Ok. Rien de personnel, hein. C'est juste toi et moi. Ok. Par ici. Tiens. Prends ça, Canigou. Bah oui, je viens de le soigner, mol du gland. T'aurais pu le faire, toi. Merde. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas morte, au moins? Curie? Ça va? Pauvre Curie. Un combat, vraiment? Pourquoi pas une conversation civilisée à la place? J'analyserai ce rapport plus tard. Ouais, vas-y, analyse si tu veux. Ok. Voilà plus ou moins l'armure que je porte. Bah, de toute façon, je peux vous la montrer, là, chers amis, normalement. Avec de l'éclairage, quoi, pareil. Eh, je suis stylé quand même. Vous pouvez pas me dire le contraire. Hop. On va aller récupérer les munitions qu'on a perdues quand même. Hop. Il n'y avait pas une espèce de recharge quelque part là? Enfin un truc de... Non, j'ai cru. Ça je prends. Alors c'est pas ça du tout que je voulais faire. Merci. Et voilà, quelques munitions supplémentaires. N'empêche qu'on n'est pas riche niveau munitions, hein. Enfin, sur certaines armes, si, mais pas sur toutes. Hein. Bof, remarque. Oh, le pauvre. Alors, c'était ce bâtiment-là. C'est ça. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous trouverez le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens. Et surtout n'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode par mon partenaire GameFlip.com qui m'a gracieusement fait le jeu ainsi que plein d'autres. Encore une fois, merci à eux pour leur sympathie et leur dévouement, entre guillemets, leur gentillesse vis-à-vis de la chaîne. Allez, salut les gens. Moi j'enchaîne avec un deuxième. Alors, regardez, hop. Voilà. Une belle image.